Mesdames et Messieurs, bonsoir et bienvenue de, à l'Université populaire d'Histoire. Merci, heureux de vous retrouver et heureux et honoré évidemment d'accueillir notre invitée, notre intervenante de ce soir, Sylvie Lindeperg. Alors, vraiment ravi de, de vous retrouver Sylvie, donc vous êtes euh, historienne. Vous êtes professeur à l'Université parisien Panthéon Sorbonne. Alors, votre domaine de prédilection, c'est les rapports entre histoire et cinéma, entre les archives audiovisuelles et le cinéma, et l'histoire, bien sûr, avec quand même comme période précise sur laquelle vous travaillez depuis de nombreuses années, la Seconde Guerre mondiale, avec comme publication notamment, je ne vais pas tout citer, mais quelques publications, Nuit et Brouillard, un film dans l'histoire, Les écrans de l'ombre, la Seconde Guerre mondiale dans le cinéma français. Clio, de 5 à 7, les actualités filmées de la Libération. Avec Annette Vivorka, vous avez écrit, plutôt dirigé le moment Eichmann. Et puis, euh, par rapport à Pessac, vous avez été pendant très longtemps. Euh, membre du conseil scientifique de l'espace histoire-image, avec notamment Estelle Caron qui, qui dirigeait ce, cet espace histoire-image. Vous avez fait partie du jury du Festival du film d'histoire et vous êtes venu il y a quelques années présenter avec Anja Shepanska qui était là il y a quelques semaines, à qui appartiennent les images. Et donc vous venez tout juste de publier Nuremberg, la bataille des images aux éditions Payot et c'est le sujet de ce soir. On va pouvoir s'installer. En tout cas, merci d'avoir accepté merci notre à vous. invitation. Alors, vous avez vu, je crois, tout à l'heure, hein, en fait, euh, la couverture du livre euh, Nuremberg, La bataille des images. Euh, et peut-être la première question que j'aimerais vous poser, c'est euh, quel a été votre objectif, quelle a été votre méthode? Parce que à la lecture de ce livre, on est vraiment impressionné par euh, l'ampleur de cette euh, enquête, de ce travail de recherche, qui est euh, assez inédit, je crois, par, par euh, sa précision, le fait que vous soyez allé jusqu'au fond de, de, des recherches de toutes les archives, j'ai envie de dire. Hein, les, les, les pages de, de, de notes à la fin et de, de <laughs> la liste de toutes les sources est assez impressionnante. Oui, alors c'est un travail au, au long cours, en effet, euh, qui m'a pris à peu près cinq ans pour les recherches, une année pour l'écriture. Et on, en fait, j'avais. Euh, j'avais déjà euh, réfléchi et abordé de manière un peu périphérique Nuremberg dans un, dans un premier livre, Clio de 5 à 7, mais je m'intéressais uniquement euh, à la manière dont les, les images euh, filmées du procès avaient été réutilisées. Dans le cadre de documentaires de fiction. Et puis, je traduisais le, le texte d'un juriste, Lawrence Douglas, qui est vrai, était vraiment un texte pionnier sur le rôle euh, des images-preuves, des films-preuves, et notamment de l'un d'entre eux, Nazi Concentration Camps, le, le film américain sur les camps de concentration. Et puis, euh, dans, dans, le, je dirais, dans le sillage de ce, ce, ce travail pionnier de, de ce juriste américain, il y a eu des travaux qui sont sortis, en effet, sur le rôle de ces images, euh, preuves montrées par les différents alliés euh, dans, dans, dans l'enceinte du prétoire de Nuremberg. Mais il y avait un angle aveugle euh, qui portait précisément sur le filmage euh, du, euh, du procès. Et, euh, et cette question m'intéressait d'autant plus qu'en effet, en 2000, à partir de, je crois, 2007-2008, j'avais entrepris avec Annette Vivurka un travail sur le filmage du procès Eichmann par le grand documentariste américain Leo Horowitz. Et euh, j'avais été frappée par l'écart entre euh, le grand accomplissement du filmage de ce procès à Jérusalem en 1961 et de, disons, la, la relative pauvreté des images américaines euh, de, de Nuremberg. Et ce qui m'intriguait plus encore, c'est qu'à l'époque, on entendait beaucoup une, une remère qui... A, affecté le, le, la direction du tournage au grand cinéaste américain John Ford. Euh, alors ça venait pas de, de, de nulle part puisque vous l'avez vu si vous avez vu le, le, le film où on y reviendra plus tard, mais euh, John Ford avait constitué au sein de l'OSS qui était donc l'agence de renseignement des États-Unis dirigée par le général Donovan, c'est en fait l'ancêtre de la CIA, euh, avait fondé une section cinématographique qui S'appelait la Field Photographic Branch. Et on savait à l'époque que l'équipe de Ford avait donc très largement contribué à rassembler, rechercher les images et assembler les films-preuves. Voilà. Donc pourquoi pas effectivement se dire que dans le même temps, il avait filmé le procès. Mais ce qui m'était plus, c'était le nom de Ford, parce que Ford, on le savait, était démobilisé en septembre 45. Le procès commence le 20 novembre. Par ailleurs, il y avait une, une biographie somme de McBride qui évoquait tout, toutes les rushs, le moindre rush, le moindre tournage de Ford et qui n'y faisait pas allusion. Et enfin, je trouvais que ça ne rendait pas vraiment justice au talent de Ford. Et donc j'ai eu l'occasion de revenir à Nuremberg. C'était donc en 2014. J'ai lancé, grâce à l'Institut universitaire de France, un grand projet de recherche qui portait en fait plus largement sur le filmage euh, des procès pour crimes contre l'humanité, je pensais euh, partir véritablement du procès Eichmann parce que c'est le moment, il y a une, une bascule dans la mesure où c'est le moment de la production en masse euh, d'images des procès grâce aux techniques notamment de, de la vidéo. Mais bien évidemment, je me disais il faut revenir à Nuremberg, euh, faire un peu ce retour arrière, d'autant plus que Leawitz, donc lorsqu'il filme Eichmann, euh, il s'inspire euh, assez. Euh, nettement, assez explicitement, euh, à la fois euh, évidemment des méthodes de tournage américaines et notamment celles de la télévision et aussi euh, des films de procès soviétiques. Et nous savions que euh, les soviétiques avaient également filmé à Nuremberg sous la direction du grand cinéaste Roman Carmen. Euh, voilà, donc c'est comme ça que je suis revenu sur Nuremberg. Je pensais en faire un, un chapitre de, euh, de mon futur euh, livre. De, voilà. Euh, et puis, euh, donc... Euh, j'ai mené des, des recherches alors dans les, dans les quatre pays mais, mais, mais prioritairement euh, à moscou euh, où avec un de mes anciens doctorants victor barba nous avons retrouvé les rushs du procès et découvert que ce tournage avait été d'envergure et beaucoup plus important euh, qu'on le croyait jusqu'ici. Et puis, je suis allée aux États-Unis, et là, dans tous les centres d'archives, je les ai vraiment écumés. Alors, j'ai pu euh, effectivement répondre très vite à la question que je me posais. John Ford n'avait pas dirigé ce tournage, euh, et euh, c'est même pas son groupe qui, finalement, avait filmé le procès, mais les opérateurs américains du Signal Corps. Mais ce qui est intéressant, c'est précisément que John Ford euh, avait été missionné pour le faire et que ce projet, j'ai retrouvé très vite les, les traces euh, de, ce, de ce projet, touché par écrit, était fascinant par son envergure, par son ambition et s'inscrivait vraiment dans la veine euh, du cinéma hollywoodien américain. Mais vous expliquez d'ailleurs dans votre livre pourquoi finalement John Ford n'a pas pu euh, filmer ce, ce procès. Oui, alors il y avait plusieurs raisons. Hein. à l'origine, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à Nuremberg, les images jouent un rôle très important. On y reviendra sans doute. Bien sûr. Et le groupe Ford, à l'origine, devait accomplir la quasi-totalité de ses missions, et notamment celle de filmer le procès. Mais au mois de septembre, l'OSS est dissoute, Donovan... Elle est soumise à des vents contraires, à des attaques, et finalement, son agence est dissoute, et c'est probablement une des raisons, mais sans doute pas la seule, pour laquelle le projet de Ford n'est pas, pas retenu, et, euh, et que le relais se fait avec le Signal Corps, qui avait été déjà recruté, en fait, pour photographier aussi le, le procès. En tout cas, voilà, j'en étais là de ce travail, et tout d'un coup, je m'aperçois qu'il y a, bien au-delà, je dirais, du filmage du procès, euh, une euh, disons une campagne euh, d'information de communication euh, mise en place par les Américains qui elle aussi est d'une ambition extraordinaire et là aussi on retrouve un écart entre ce qui a été imaginé et je dirais euh, le procès réel et du coup eh bien mon mon projet à moi a bifurqué et j'ai décidé d'écrire un ouvrage entier de faire une recherche entière pas seulement alors, de la rétrécir à Nuremberg, mais de ne pas me contenter de travailler sur le filmage du procès, mais plus généralement sur la mise en récit, la mise en scène et la mise en image du procès Nuremberg, en particulier dans le camp des Américains. Alors, on va rentrer dans le vif du sujet rapidement, mais juste une autre question sur, cette, sur ce travail de, de, de recherche. Est-ce que quand vous démarrez, vous avez déjà l'idée que ça va vous prendre 5 ans de votre vie Première chose. Et deuxième chose, est-ce que vous avez d'autres intuitions déjà ou est-ce que c'est vraiment au fur et à mesure de l'avancement de vos recherches que vous découvrez en fait tous les aspects de, de, de ce procès hors norme Alors, bon, euh, je, je, non, je, je ne l'imaginais pas. <laughs> euh, pas plus d'ailleurs que les... Les pionniers qui vont mettre en place le procès de Nuremberg s'imaginaient qu'ils partaient dans un procès aussi gigantesque qui allait prendre dix mois de leur vie sans compter les préparatifs. Euh, J'imaginais pas non plus que j'allais être confronté à une telle masse d'archives. Là encore, hein, même chose pour les organisateurs. Jackson, à partir du moment où il, le, le procureur général des États-Unis va progressivement euh, euh, être confronté oui. à des à une voilà à des vraiment une à peigne. oui complète euh, et va être obligé de les analyser euh, et de les sélectionner. Et il y a un moment où il, il éprouve une espèce de panique. Donc, heureusement, on ne sait jamais quand on s'engage dans un projet combien de temps il va durer. Et, et, et peut-être que je, je n'y serais pas euh, allé. Oui, parce que c'est un procès hors norme, y compris par les chiffres. Hein. J'ai dit tout à l'heure, euh, euh, non, je ne l'ai peut-être pas dit, mais ce procès, euh, il s'ouvre euh, le 20 novembre 1945, il se clôture le 1er octobre. Ça fait euh, 10 mois si on soustrait. Euh, les, les, les semaines de délibération. Euh, pour vous donner un, un peu une idée de la masse de documentation qu'il génère, euh, 800 heures d'enregistrement euh, son, hein, puisqu'il a été intégralement enregistré en sonore, euh, 17 000 pages de, de, de minutes de, des procès-verbaux, euh, 100 000 documents écrits, 50 millions de, justement de de pages dactylographiées, euh, Je pourrais oui, continuer, hein, mais c'est absolument monstrueux. Euh, euh, des millions de, 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 de mètres de pellicule et encore, je crois, 25 000 photographies. Euh, donc je dirais, l'historien il hérite de tout cela et de bien plus encore, c'est-à-dire tout ce qui a été produit pendant le procès. Et pour ce qui me concerne... Il euh, y avait évidemment euh, les photographies du procès, euh, les images du procès, la manière dont on avait rendu compte euh, dans la presse euh, écrite, dans les actualités, à la radio, qui était très importante à Nuremberg. Et bien évidemment, il fallait euh, absorber euh, cette masse. Et, 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 et commencer un petit peu à, à l'organiser, à suivre des fils, effectivement euh, quelques intuitions. Donc très vite j'ai compris euh, que mon sujet, c'était pas évidemment, il y a eu des bibliothèques entières sur Nuremberg. Donc c'était vraiment les questions de mise en scène, de mise en récit véritablement, euh, qui s'organisaient et c'est venu peu à peu autour un peu de la notion de procès-spectacle. Euh, en effet, hein, euh, Nuremberg et les Américains le pensent comme ça dès l'origine. Je l'ai découvert peu à peu. Euh, est véritablement ce que le juriste Marcosiel appelle un procès spectacle libéral ou démocratique, euh, qui l'oppose en ce sens au procès spectacle de type totalitaire et notamment au procès soviétique. Mais il est un procès spectacle dans la mesure où il va euh, conjuguer des enjeux judiciaires et des enjeux extrajudiciaires, euh, de, de, de nature politique, mémorielle, historique, euh, des enjeux euh, aussi moraux. Hein et que les Américains, à travers Nuremberg, n'essayent pas seulement... Alors je dis les Américains, vous allez le comprendre, parce que euh, Robert Jackson, dont j'ai parlé tout à l'heure, est vraiment euh, le metteur en scène, celui qui est le premier nommé, et euh, l'architecte véritablement euh, du, du procès de Nuremberg. Et d'emblée, les Américains ont cette idée qu'ils vont à travers le jugement... Euh, des, euh, des anciens leaders du régime nazi, juger certes des hommes et des organisations, mais également essayer d'imposer un récit, leur récit qui est un récit aussi en faveur des États-Unis, qui vantent au fond les valeurs de leur grande démocratie et de leur justice démocratique. Hein, donc on a cette idée, un procès démocratique, parce que la limite entre un procès totalitaire et ce type de procès, c'est que certes, on déborde euh, la fonction initiale d'un procès, qui est de juger des accusés, d'établir un verdict, pour en faire, faire finalement du prétoire une sorte de théâtre d'idées. Mais dans le même temps, la limite... C'est la question du respect des droits de la défense, des droits des accusés et la volonté qui était très forte chez Jackson d'organiser un procès équitable. Alors justement, on, effectivement, vous développez beaucoup ces, ces, cet aspect-là, mais c'est quand même un, avec une position prééminente des, des États-Unis, mais c'est quand même un procès qui est co-organisé avec les Anglais, les Soviétiques et les Français. Donc pour ces quatre nations... Quels sont les enjeux, d'une part, et d'autre part, très rapidement dans votre livre, vous parlez de la question de filmer. Est-ce -ce, est qu'on filme ce procès euh, Et en fait, tout le monde n'est pas forcément tout à fait d'accord, et chacun a une expérience différente par rapport à cette question-là. Oui, donc les, les, les quatre pays alliés, alors ils n'étaient déjà pas d'accord sur le principe même d'un procès. Euh, les Britanniques, notamment Churchill, étaient très opposés à l'idée d'un procès euh, parce qu'ils considéraient qu'il allait ouvrir une tribune euh, aux anciens euh, chefs, aux anciens leaders nazis. Et euh, ils euh, militaient plutôt euh, pour les passer par les armes sans autre forme oui, précisément qu ils de Qu'ils soient exécutés, tout simplement. Euh, les Soviétiques souhaitaient un procès. Ils avaient été les premiers à en organiser. C'est en décembre 1943 que les Soviétiques organisent le premier procès de criminels nazis à Kharkov, en Ukraine. Euh, mais évidemment, ils, ils n'imaginaient pas s'engager dans un procès de dix mois. Euh, ils faisaient des procès extrêmement expéditifs. Euh, et par ailleurs, euh, les soviétiques, évidemment, avaient une conception euh, de la justice, des du, du rôles que, que devait jouer ce procès, qui était très différente de celle des Britanniques ou des Américains. Et les, les Français, je dirais, ils, ils suivaient un peu le, le mouvement. Euh, on ne peut pas dire qu'on est particulièrement... Euh, Briller à Nuremberg, non pas que la préparation du procès, certaines personnalités n'aient pas été des personnalités de premier de premier plan, mais parce que les Français avaient peu de moyens, que c'était pas la priorité du gouvernement de Gaulle, la priorité était à la reconstruction, et ils ont été vraiment obligés de se battre, ils ont été nommés très tard, enfin toute l'équipe française, les soviétiques aussi d'ailleurs. Quant aux britanniques, les enjeux étaient avant tout, oui, des enjeux juridiques ils avaient une, la, la, la fine fleur du, du, euh, du de véritablement des, des juristes qui, euh, qui avaient été nommés euh, et euh, les Britanniques, par ailleurs, euh, défendaient eux aussi l'idée d'un procès qui, puisqu'on le faisait, euh, devait être digne et équitable. Ce qui m'amène à, à votre question sur le filmage. Euh, le, le procès de Nuremberg va donc être le carrefour de pays qui ont des traditions politiques et des traditions euh, juridiques très différentes. Pardon. Et euh, dans le même temps, je bouge trop la main gauche, je vais la tenir. Et euh, dans le même temps, ils ont aussi une tradition différente en, en matière de filmage des procès. Euh, pour les Britanniques, c'est très simple les procès ne sont pas filmés. Euh, la présence de caméramans et de photographes est interdite depuis 1925. Euh, pour les Britanniques, il s'agit de préserver la dignité de la justice. Et euh, par ailleurs, d'éviter tout désordre euh, dans, euh, dans les prétoires. Pour les Américains, c'est un peu différent parce que, effectivement, euh, euh, les procès aux États-Unis ont été filmés très tôt pour les actualités. Et euh, les, les juges euh, décidaient au cas par cas s'ils acceptaient ou non la présence de photographes et d'opérateurs. Euh, à l'époque, hein, dans les années 20, euh, début des années 30, les appareils étaient très lourds, euh, bruyants et ils nécessitaient par ailleurs euh, des projecteurs très puissant, qui parfois euh, gênait. gênait, aveuglait les protagonistes et surchauffait les salles par ailleurs. Donc les juges décidaient s'ils voulaient ou non. Euh, Avec des excès quand même que vous décrivez oui. dans, le, et, dans votre mais livre. Justement, ce qui va arrêter un peu cette, cette, cette initiative des actualités filmées, c'est qu'il y a un, un procès qui va être particulièrement euh, médiatisé, qui est celui euh, du procès optman c'est-à-dire le... Le présumé kidnappeur et assassin de l'enfant du célèbre couple Lindbergh. C'est, je crois, en 1935. Et c'est un déchaînement de passion, de débordement médiatique pendant toute la période de l'enquête et évidemment pendant toute la période du procès qui donne lieu à des excès tels qui ne concerne pas uniquement d'ailleurs les, les opérateurs de cinéma, mais ce sont les gens d'image qui vont payer euh, le prix le plus élevé, puisque à l'issue de ce procès, il est décidé euh, de proscrire euh, les caméras et les photographes euh, des prétoires, et finalement, hein, euh, uniquement les militaires vont pouvoir euh, refaire rentrer euh, des, euh, des caméras euh, dans les tribunaux euh, à, à, à l'issue du conflit. Euh, enfin les Français, Bien, les Français euh, là encore, ne sont pas tout à fait en pointe, mais ils filment. Ils filment pour les actualités, mais ils filment eux en muet, contrairement euh, aux, aux Américains. Ils sont intéressés par le filmage du procès, euh, mais disons, ils ont plutôt suivi un peu euh, le, le mouvement. Par contre, les Britanniques étaient vent debout pour interdire le filmage. Et à la suite de toute une série de compromis, et, et Nuremberg est fait de compromis, hein, c'est ce qui a permis au procès d'aboutir. Eh bien, euh, les Britanniques acceptent, mais ils vont contrôler euh, le travail euh, des opérateurs, leur empêcher de filmer certaines, euh, certains moments du procès, notamment euh, l'énoncé des sentences. Et le président de la cour britannique, euh, Geoffrey Lawrence, va être intraitable avec les opérateurs. Oui, on va, on va y venir euh, sur le détail. Alors, est-ce que vous pouvez nous, nous présenter quels sont les protagonistes de ce procès, à la fois ceux qui l'organisent, mais aussi. Euh, quelques accusés, ils sont 21, on ne va pas forcément les passer tous en revue. Mais... Oui, euh, bon, pour, pour les accusés, il faut préciser qu'au début, il y avait une liste de 24. Et puis finalement, il y a eu un, un, premier, euh, un premier cafouillage des Alliés euh, qui voulaient, notamment les soviétiques et les Français, qu'il y ait un représentant des grands industriels allemands qui avaient collaboré avec le régime nazi. Et ils choisissent Krupp, euh, mais manque de chance pour eux, ils, euh, ils font une erreur. Il, il couche sur le papier, sur la liste, le nom de Gustave euh, Krupp, euh, qui est le, le père d'Alfred. Euh, il faut une confusion. Or, ce, ce Gustave Krupp était euh, malade et, 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 et entrait dans une phase de sénilité, donc il n'a pas pu être jugé. Et euh, les, 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 les alliés n'ont pas voulu euh, intervertir avec le nom de son fils, qui finalement a été jugé plus tard au moment des procès successeurs. Et je pense que pour lui, ça a été plutôt une, une bonne une affaire. Bonne donc, il aurait été 23. Euh, et il y en a. A un Robert Lake qui se suicide dans sa prison à Nuremberg, et un, un troisième qui est Martin Bormann, qui est jugé par contumace hein, parce que les alliés ne l'ont pas retrouvé. Donc 22 sont jugés, et finalement, et 21 assis sur euh, les bancs dans le prétoire euh, de Nuremberg. Alors parmi ces accusés, il hein, y, y a les très connus, euh, le maréchal euh, Goering, il euh, y a les, les, les premiers compagnons de Hitler, euh, Rudolf Hess, qui n'a plus tout à fait... Euh, le, le, le cerveau euh, extrêmement clair. Euh, il y a euh, à côté d'eux euh, Ribbentrop, le, le, le ministre des Affaires étrangères, euh, mais il y a également des militaires. Hein. Vous avez Rider, euh, Yodel, Keitel. Euh, il y a des disons des propagandistes, mais pas évidemment euh, à la mesure de ce qu'aurait été Goebbels s'il si, euh, si ne s'était pas suicidé. Euh, donc il euh, y a Julius Streicher, l'antisémite le, le, euh, forcené, euh, qui, euh, qui est jugé, d'ailleurs euh, euh, condamné à mort pour, pour la, 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 la propagande antisémite absolument virulente. Euh, qu'il a pu développer. Il y a un autre, d'ailleurs, propagandiste, qui, lui, va être acquitté, parce qu'il y a des ouais. acquittés, il y a trois acquittés à Nuremberg. Voilà, Yashper, on peut aussi parler de parce qu'il joue un rôle très important. Donc, d'abord, Yashper est euh, l'architecte. La, la, de Hitler. Il était très proche d'Hitler et il devient ensuite ministre de l'Armement. Et à ce titre, il va être euh, très largement impliqué dans l'utilisation de la main-d'œuvre esclave euh, des camps de concentration, mais va réussir assez habilement euh, à échapper euh, à, à la potence. J'en oublie évidemment, puisqu'ils oui, sont, oui, oui, sont 21, mais en voilà quelques-uns. Donc, il y a, on peut dire qu'il y a, qu il y y a, y a des. Alors, ni Goebbels ni Hitler, bien sûr, puisqu'ils se sont suicidés, mais il y a quand même ce sont un, un, les, 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 les survivants de ce qu'on appelle les grands criminels de guerre euh, puisqu'il a été décidé que euh, les grands criminels de guerre seraient jugés euh, décidé à moscou par euh, les puissances alliées. Et que ceux qui avaient commis pouvaient être de grands criminels, hein, euh, comme l'autre Rudolf Huss, euh, Rudolf le, 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 le directeur, du, le, le commandant du camp d'Auschwitz, euh, mais cela serait jugé dans le pays où ils avaient commis euh, leur forfait. Donc, pour ces grands criminels qui sont aussi des criminels de, de bureau pour certains, euh, qui ont euh, signé euh, les actes euh, assassins, voilà, euh, vont être réunis et jugés par un tribunal international. C'est évidemment la grande innovation de Nuremberg. Donc, ça c'est pour les accusés. Voilà. Pour, hein euh, alors, les autres, euh, les autres acteurs, ils sont évidemment nombreux. Il y a les délégations euh, de, euh, de, de, de l'accusation des quatre euh, pays membres, euh, donc euh, les Américains qui sont vraiment les premiers euh, choisis, les premiers nommés et qui vont partir très vite euh, en campagne pour euh, préparer le dossier d'accusation euh, sous donc. Euh, euh, les, 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 les direc la direction de Robert Jackson et il a autour de lui des procureurs, des substituts de procureurs, toute une, une équipe de, de juristes et également euh, l'OSS de, de Donovan. Alors, euh, ah oui, oui, je, je vous ai mis quelques images, ce sera euh, plus incarné. Alors, Donc vous voyez ici euh, Robert alors, Jackson. On ne voit pas encore mais je, Après, ça va venir en si, cabine si. je pense. Bon. Si, ça y est, ça y est. Voilà. Euh, c'est le, le jour de sa nomination. Donc c'est en mai 1945. Euh, et ici, à l'issue à euh, du, du procès. Donc j'ai dit qu'il y avait aussi Donovan. Alors, Jackson, qu'est-ce qu qu'on peut clé en dire de peut... lui C'est vraiment l'architecte du, du procès, le maître d'œuvre. Euh, D'abord parce qu'il est nommé le premier. Ensuite parce que les États-Unis ont beaucoup de moyens. Et ils vont non seulement... Euh, être très actif pendant... Euh, en tant que juriste mais également dans toute l'organisation puisqu'ils prennent en charge toute la logistique le procès va se dérouler à nuremberg donc en zone américaine et c'est les américains qui reçoivent euh, les autres délégations qui euh, aménagent le euh, prétoire euh, et, qui, euh, et qui véritablement finance aussi il faut bien le dire le, le, le déroulement le, voilà euh, donc robert jackson euh, à l'époque il a 53 ans euh, c'est un un homme important, il est, il est juge assesseur à la Cour suprême et il a fait sa carrière pendant euh, essentiellement, enfin, il a commencé à être très connu. Euh, pendant le, le, le New Deal, c'était un proche de Roosevelt, euh, et il est devenu, euh, le, voilà, l'un des grands défenseurs de la Cour suprême des lois euh, votées par euh, par l'administration euh, démocrate. Et il prend la tête euh, du euh, ministère de la de la justice pendant la guerre. Il va militer pour une justice internationale, euh, et c'est vraiment un croisé du droit. Hein, pour lui, Nuremberg, c'est essentiellement le moyen. D'abord, d'essayer par le droit de mettre fin euh, aux crimes de guerre d'agression. Donc, euh, Jackson euh, a une équipe très importante autour de lui et des moyens considérables par rapport aux autres équipes qui se sentent un peu démunies, hein, surtout les soviétiques et les français. Euh, et il a notamment, euh, oui, James Donovan, euh, qui... Euh, lui est très différent. Euh, Tous les opposent. Hein. Euh, alors, lui, c'est un, un républicain, euh, alors, que, alors que Jackson est, est démocrate. Euh, c'est un, un, un fils de, de, de catholique irlandais avec un caractère extrêmement trempé. Euh, Jackson euh, est un, un grand littéraire. Il a, il a vraiment. Un un talent, une grande éloquence, mais il se méfie un peu des caméras et, et de la presse, alors que Donovan adore euh, la, la presse. Et il a une réputation qui le précède. De, alors, il est lui aussi procureur, mais c'est aussi un, un, un ancien combattant de la Grande Guerre. Il a eu une pluie de décoration, et, et, et c'est la Grande Guerre et ses exploits pendant la Grande Guerre qui lui ont valu le surnom de Wild Bill, vous le voyez au moment de la, de la Grande Guerre. Et euh, Donovan a donc dirigé, créé et dirigé en 1942 euh, l'OSS, donc le service de renseignement des États-Unis. Et euh, il est à la fois admiré pour euh, son courage, pour ses initiatives, euh, mais en même temps critiqué à Washington euh, pour ses méthodes, disons, peu orthodoxes. Et puis il est attiré un peu par tout ce qui brille, par toutes les grandes étoiles, et il s'entoure d'une pléiade de personnalités, euh, toutes plus talentueuses euh, les, les unes que les autres. J'ai parlé de Jodhford tout à l'heure, euh, mais on pourrait en citer d'autres, le psychiatre euh, Jung, euh, euh, le, le philosophe Marcus, Neumann, enfin... Euh, la, la, euh, Eve, euh, Eve Curie, la, la, la fille des, des deux célèbres physiciens. Enfin bref, voilà, c'est mmh. une, une agence extraordinaire qui fait à peu près tout, et pas seulement de l'espionnage et du renseignement. Et, et voilà, c'est un personnage qui imagine. Euh, alors, ils sont. Euh, voilà, tous les opposent, y compris quand même euh, l'idée. Ils ont en commun l'idée que Nuremberg doit permettre de construire ce récit américain, mais sur les méthodes, euh, ils ne sont pas tout à fait d'accord. Disons que pour Donovan, ça doit être un grand show médiatique. Et il explique clairement, euh, dès le début, euh, on va raconter le plus grand conte moral euh, qui, est, qui ait jamais été écrit. Euh, donc c'est ça, là, pour lui, l'enjeu de Nuremberg, et on va le raconter devant le monde. Donc lui c'est un personnage aussi clé pour comprendre hein, comment les Américains euh, vont organiser cette grande campagne d'information. Et puis un troisième personnage du côté américain qui est euh, qu'on a très souvent oublié et, 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 à, et à tort hein, qui s'appelle Gordon Dean qui est un homme effectivement plus discret qui a été euh, donc qui est lui aussi un juriste euh, qui est aussi un démocrate qui était proche euh, de Jackson au moment euh, du, du New Deal et qui est devenu son porte-parole. Et donc, euh, après la guerre, il était lui aussi d'ailleurs, euh, euh, donc il s'est lui aussi engagé, et euh, il, il, il est immédiatement euh, contacté par Jackson, qui veut en faire euh, son chargé de communication, son responsable des, de, 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 des, des relations publiques. Et Gordon Dean va jouer un rôle considérable parce qu'en fait, il s'occupe à la fois des relations publiques de tout le tribunal, et comme les Américains sont un peu les seuls au début, il va en profiter très largement pour mettre en avant les, les Américains, et il est en même temps chargé de s'occuper de la presse américaine. Donc, lui va jouer un rôle important et il dit d'ailleurs à Jackson assez tôt euh, si cette campagne d'information euh, échoue, hein, donc cette campagne qui doit euh, être mise en place avant, pendant et après le procès, donc euh, Gordon dit hein, si cette campagne doit échouer, il vaudrait même mieux que le procès n'ait pas lieu. Donc, on voit hein, à quel point euh, cette campagne d'information n'est pas accessoire elle est au centre euh, des enjeux américains. Donc voilà pour les, 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 les américains en tout cas oui. euh, du côté du droit. Et puis je, je vous ai mis quand même les, les, les portraits de deux, euh, de deux personnages qui vont jouer un rôle au sein de l'équipe de, de John Ford, euh, qui sont les frères Schulberg. Alors ils sont pas tout seuls, hein. vous avez vu euh, peut-être le film. Euh, Bud Schulberg qui joue un rôle important. Euh, C'est à l'époque, euh, il, a, il a 31 ans. Il est déjà euh, ils sont tous les deux les fils d'un grand producteur de Hollywood, de la Paramount, et, et lui très tôt il est devenu scénariste à Hollywood. Il est entré aussi au Parti communiste, il a rendu sa carte au moment du pacte germano-soviétique. Mais il est aussi l'auteur d'un best-seller vraiment. Qu'est-ce qui fait courir Samy Qui est un, disons une satire au, au vitriol euh, du milieu de, de Hollywood et de ses, et de ses nababs. Et c'est lui qui va être chargé euh, D'une mission très importante, euh, réunir, retrouver, rassembler et monter euh, les images-preuves, les films-preuves. Images films voilà. Ouais. voilà. On, on y vient. Euh... Et ça, c'est son frère. Et son frère, euh, euh, de 8 ans, son, son cadet, euh, qui va euh, l'assister euh, pendant, le, pendant le procès, mais qui va jouer surtout un, un rôle après. Puisque c'est à lui que sera finalement confiée euh, la conception euh, d'un film euh, tirant les leçons du jugement. Après, voilà. après le, le, le procès. Alors, pourquoi Nuremberg Ça paraît évident, mais c'est peut-être bien d'y revenir. Et surtout, comment, comment les lieux, euh, le lieu du procès, est, est préparé, aménagé Parce que, évidemment, comme c'est un procès hors norme, il faut que le lieu soit, soit adapté. Alors, comment, comment ça se prépare Et est-ce que vous pouvez nous parler Et notamment pour la question du filmage. De ce oui, vous voulez dire la ville de Nuremberg. Oui. La ville de Nuremberg, c'est vrai qu'elle est choisie, euh, elle est choisie à, 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 à l'été, en juillet. Euh, les, chacun, a évidemment, un, un avis. Euh, les Alliés ne sont pas d'accord. Les Britanniques redoutent, euh, par-dessus tout, euh, que ce soit euh, une ville sous occupation soviétique. Et donc, ils ont peur que les Soviétiques parlent déjà de Berlin et il, il, il presse les Américains de prendre en charge très vite, de choisir très vite la, la, la ville. Et finalement, le choix va porter sur Nuremberg, qui est donc en zone américaine, qui a l'avantage d'être vraiment un, un, un carrefour ferroviaire entre... Berlin, Munich, il y a un aéroport qui est à 10 km seulement. Euh, et puis la ville a certes été détruite à, à plus de, de 90%. Je crois que j'ai une, une photo. Alors ça voilà, vous voyez la, la ville de Nuremberg. Mais euh, de manière presque miraculeuse, hein, le palais de justice euh, a été euh, préservé. Euh, vous le voyez ici, alors que la ville est, est très largement détruite, toute la vieille ville. Il a juste été, euh, eu quelques problèmes sur les toits. Euh, des effets d'un bombardement et il a un autre avantage vous le voyez sur cette vue aérienne c'est que à l'arrière vous avez euh, la prison La prison est donc contiguë au palais et ça présente beaucoup d'avantages parce que ça permet de faire venir euh, les accusés directement. Ils vont passer par une galerie en bois. Euh, on n'est pas obligé de les monter dans un fourgon. On évite de très nombreux risques en matière de sécurité. Et ça aussi, ça va jouer en, en faveur euh, de, euh, de Nuremberg et du palais de justice. Alors évidemment, le fait que la ville soit aussi la ville... Euh, des euh, sinistres lois de Nuremberg de 1935 et puis la ville euh, des euh, des congrès euh, du Parti national socialiste oui. joue euh, sur le plan du symbole oui. mais c'est pas ça qui a été à l'origine euh, décisif, euh, même si Jackson en parle, euh, pour convaincre euh, pour convaincre ces... Oui, c'est quand même le retour ces... sur voilà. une ville simple. C'est bien évidemment très important, mais c'est surtout des, des considérations plus matérielles euh, qui ont... Ils euh, avait, on avait pensé à Munich, qui aurait pu être important aussi parce que c'est aussi le berceau du parti nazi, mais qui était encore plus détruite et là, il n'y avait plus de palais de justice, euh, j'ai bien compris. Alors, si on en vient... Euh, au lieu précisément oui, alors, le, le... à l'aménagement du Oui, lieu. alors il y a des avantages euh, à, à utiliser une salle qui est déjà, euh, qui est déjà un palais de justice. Euh, dans le camp d'Arao, les Américains vont aménager un, un, un tribunal. Mais il y a aussi des inconvénients, qui est que la salle 600 sur laquelle Jackson a un peu levé, euh, jeté son dévolu est assez petite. Alors je ne sais pas si, je crois que j'ai une... Voilà, vous la voyez, ça c'est la salle d'origine. Euh, elle est petite et euh, les Américains, mais les Alliés, hein, pensaient avoir un, un, un très vaste public. Euh, ils, ils pensaient accueillir 500 spectateurs, ce qui était considérable. Hein. Même pour, pourquoi hein, l'un des architectes de l'OSS, qui était aussi... Euh, euh, je dirais, y avait une espèce d'ambition aussi forte que celle de Donovan, a voulu à un moment convaincre Jackson de le faire dans l'opéra de, de oui, Nuremberg. Oui. Voilà. Mais du coup, il est obligé de se contenter euh, de, ce, de ce palais de justice, de, de cette salle 600, qui est petite, et euh, il va vraiment le, tra le transformer de, de fond en comble. Alors, son première mission, même avant que la salle soit choisie, c'est quand même de, de choisir comment aménager et organiser les places à l'intérieur d'un prétoire. Un prétoire, c'est un lieu évidemment matériel, mais aussi symbolique. L'organisation du prétoire est dictée par le droit par la loi, et là en l'occurrence, les, les, les architectes américains de l'OSS vont s'inspirer du, du droit anglo-américain qu'on appelle le droit de common law. Euh, et donc ils partent d'un schéma qui est euh, ce, ce schéma-là. Alors je vous l'ai reproduit ici. En fait c'est ce qu'on appelle la procédure accusatoire. Hein. Les, les juges sont plutôt des arbitres et ils arbitrent le combat que vont, se mener, que vont mener devant eux l'accusation et la défense qui se trouvent face à eux, dos euh, au public. Euh, les témoins sont en général sous la protection euh, du, du juge et puis vous avez euh, ce qu'on n'a pas à Nuremberg, mais dans un prétoire classique, euh, un peu en retrait, à la perpendiculaire, euh, les, euh, les jurés. Euh, euh, voilà, donc c'est un peu de ce schéma-là que vont partir les architectes de l'OSS, mais ils ont un acteur de plus à euh, introduire qui est l'écran. L'écran sur lequel ils vont montrer non seulement des films, mais également des photographies, des organigrammes, euh, des schémas, euh, et qui va jouer donc un rôle central avec tout ce qui était préparé justement par, euh, par l'OSS. Et donc ils hésitent, et puis finalement, euh, ils, vont, euh, ils vont faire un choix qui est extrêmement fort, extrêmement audacieux, qui va être de déplacer les juges, euh, de les mettre à la place des jurés, puisque euh, vous avez plus le schéma, mais il euh, n'y a, a pas de jurés. Euh, au tribunal militaire international de, de Nuremberg et euh, ils vont en fait faire pivoter l'ensemble euh, du schéma il n'y a, y a que les témoins qui restent à leur, à leur place euh, ouais. à leur place ancienne euh, donc vous voyez ici l'écran le, ici le qui est vraiment placé les juges on ne les voit pas, ils sont bord mais vous pouvez au moins voir les, les accusés et le, 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 la, la barre des témoins euh, il témoins, y a un témoin debout ici euh, euh, voilà donc euh, donc très vite hein, le, le choix de mettre finalement euh, l'écran au, au centre, euh, à la croisée des, des regards. Et ça, c'est un, un premier choix important. Après, euh, effectivement, le, le, les architectes de l'OSS ont, ont d'autres contraintes, et euh, notamment euh, de euh, trouver des emplacements pour les opérateurs et pour les photographes. Parce que je vous ai dit que euh, finalement on décide de filmer et de photographier le procès, mais Jackson est très ferme sur ce plan et les Britanniques également. Il ne veut pas que ce soit un cirque médiatique. Il ne veut pas. Il est hanté par le souvenir du procès Opmann Lindbergh et il dit je ne veux pas qu'il y ait des fils partout, euh, qu'on puisse se trébucher, qu'il y ait des opérateurs qui se déplacent, qu'il y ait des flashs de photographes. Et donc euh, il fait construire des cabines vitrées insonorisés, euh, euh, trois au, au parterre euh, pour, euh, pour les pour les caméramen euh, et euh, l'autre le, 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 l'autre contrainte je vous montrerai tout à l'heure les emplacements décidés c'est qu'évidemment il faut agrandir un peu l'espace. Euh, et les, les architectes ont, ont l'idée finalement, après c'est de pousser les murs en fait, ils ouais. poussent l'arrière et ils vont construire une petite euh, une euh, euh, en bas euh, l'espace le, 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 de la presse. Et puis au-dessus, une petite galerie des visiteurs. Alors c'est pas une galerie de 500 personnes, c'est plutôt une centaine de personnes, 80-90, mais néanmoins. Euh, et ils récupèrent euh, en effet le grenier. Et donc vont pouvoir faire aussi des cabines pour les, pour les opérateurs radio. Euh, donc vous voyez la salle en travaux. Ici, vous voyez tout en haut la cabine. Euh, la, pardon, la, la plateforme euh, des, des invités, du public, qui sera surtout un public de VIP. Hein, euh, et en dessous, euh, ils sont en train d'aménager euh, l'espace de, des journalistes, de la presse. Euh, là, vous voyez la construction des cabines qui vont aussi servir parfois aux opérateurs parce qu'ils euh, ont des, 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 des vues intéressantes depuis ces cabines, mais elles sont à l'origine euh, réservées aux opérateurs radio. Vous en voyez un ici qui travaille. Euh, et par la fenêtre, il voit euh, le, le, le procès en, en contrebas. Et voilà donc l'emplacement des caméras. Ici, vous avez la salle pleine, vous voyez bien la cour cette fois-ci, les soviétiques sont tout au bout. Euh, et la première, euh, la première emplacement qui est vitrée, euh, avec un caméraman au travail, parfois ils étaient deux, parfois il y avait des, des photographes. Euh, et vous les voyez d'un peu plus près ici. Euh, en dessous, donc, les, la presse, et notamment ici, c'est le coin de la presse soviétique. Euh, la deuxième, elle est derrière une oui. cloison, voilà, euh, où il y a également des opérateurs. Et puis, enfin, la troisième, elle est tout au fond et c'est la seule à vue. Donc. A priori, on n'avait pas le droit de filmer en sonore, mais les Soviétiques vont le faire. Euh, et, euh, et ces opérateurs étaient particulièrement surveillés parce qu'ils étaient proches des juges et qu'ils avaient interdiction de bouger. Euh, et on les avait bien avertis qu'au premier problème, ils, le, ils seraient privés de leur accréditation. Donc voilà pour, le, pour les. Euh, vous en voyez. Ici le dispositif. Travail. Pour, le, pour, le, pour le dispositif. Voilà. Alors, votre livre. La bataille des images, en fait, il y a deux types d'images. Il y a les images qui vont être projetées et il y a les images qui vont être enregistrées. Euh, alors si on, on commence par les images qui vont être projetées, donc c'est plusieurs chapitres de, de votre livre, euh, elles sont rassemblées à la fois par les Américains mais aussi par les Soviétiques. Est-ce que vous pouvez nous, nous parler un petit peu, nous résumer, cette, à cette, nous parler de cette chasse aux images en quelque sorte oui. et, et, et ce montage d'images Parce qu'il y a aussi une mise en, en construction en quelque sorte. Euh, absolument. Alors, ce qui est, euh, le, le, je, je dirais, les deux délégations qui vont faire un travail considérable, euh, ce sont les Américains et les Soviétiques. Les Soviétiques, ils ont, ils ont commencé très tôt. Hein, ils ont commencé à euh, réunir l'épreuve photographique et filmée. Des crimes, des crimes nazis sur les, 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 sur les, 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 les pas de la, de la Wehrmacht et de 1941 à 1944, ils ont photographié, ils ont filmé. Donc ils ont une masse très importante d'images à leur, à leur disposition qui vont être quasi exclusivement des images prouvant les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité. Les Américains, de leur côté, euh, vont vraiment faire un travail de recherche parce que l'accusation américaine a été chargée euh, de prouver un type de crime qui est le crime de complot. Alors c'est un peu compliqué, donc je ne vais pas rentrer dans les détails juridiques, mais disons le crime de complot et pour Jackson le, 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 le crime le plus, le, le plus essentiel. Peut étonner aujourd'hui, mais c'est ainsi, c'est le crime de guerre d'agression. Et il va demander en tout cas à ses équipes de retrouver des images et de préférence des images nazies, des images allemandes. Hein, même s'il y a des images alliées, notamment euh, prises à l'ouverture des camps, et c'est ça l'originalité, je dirais, des Américains, d'aller euh, écumer tous les fonds. Alors, Bud Schulberg, qui est chargé de cette mission, va commencer aux États-Unis, va notamment euh, euh, visionner les, les actualités de la Deutsche Wochenschau, le film de, de Leni Riefenstahl, Le Triomphe de la Volonté, euh, et puis il va poursuivre sa mission euh, sur le territoire euh, allemand. Euh, pendant tout l'été. Et là, il va y avoir. L'essentiel le, des caches sont quand même dans la zone soviétique. Euh, et ça va vraiment tourner au euh, road movie hein, à un moment, puisque, avec sa petite équipe, euh, ils vont avoir, par des prisonniers de guerre euh, allemands, des informations euh, sur notamment des caches de films secrets euh, qui auraient été cachées euh, par les, par les, les nazis euh, et qui, notamment, seraient entre autres des images de torture, des images de camps de camps de, de, camp de concentration et peut-être de centres de mise à mort, on ne sait pas trop, hein, c'est un peu flou comme information, mais en tout cas pour eux c'est la preuve des preuves, parce que c'est le crime filmé par les criminels. Et, et donc ils vont envoyer des, des, des détachements, euh, notamment en zone soviétique, euh, explorer euh, des mines de sel, des carrières de granit, et chaque fois qu'ils arrivent, euh, ils arrivent trop tard, euh, les nazis en fuite ont détruit euh, les dépôts, euh, et ils sont, hein, voilà, euh, ils assiettent, un peu désespérés hein, devant cette mer de charbon à, à la disparition de ces bobines dont on ne saura jamais vraiment euh, ce qu'elles qu contenaient. Mais ils vont aussi faire des découvertes tout à fait importantes. D'abord à Berlin, où Bud Schulberg va trouver euh, un, une, un film que les soviétiques recherchent également, euh, qui est le procès filmé euh, par les opérateurs du Troisième Reich euh, des euh, accusés du complot du 20 juillet 44 contre Hitler et ce procès qui était présidé par l'abominable Freisler euh, s'est euh, déroulé dans un déchaînement de violence contre les malheureux accusés il a été filmé mais il était tellement atroce que euh, finalement Goebbels a décidé de ne pas le montrer. Mais il retrouve ces images. Et puis un autre document qui vont d'ailleurs un peu dealer avec les Soviétiques. Les Soviétiques ont mis la main sur Babelsberg, c'est dans leur zone. Et Babelsberg, ce sont les grands dépôts du Reich, de la Reichsfilmarchiv. Et là, Bud Schulberg va découvrir des trésors et notamment un film qui est important de souligner qui, est, qui sont les, 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 les rushs non montées, qui ont été tournées euh, par les nazis euh, à l'été 1942 euh, dans le ghetto de Varsovie. Euh, et j'explique dans mon film que les, les Américains sont très impressionnés euh, par ces images et que l'accusation va décider de montrer ces images. Euh, mais à la dernière minute, le substitut du procureur, qui s'appelle Walsh, décide euh, d'annuler de, 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 cette projection, euh, parce que ces images, qui ont été très mises en scène par les nazis, euh, montrent euh, la, euh, la police juive et euh, l'activité euh, des, des Judenreiten. Et en fait, on voit que. C'est trop tôt pour évoquer ces questions de, 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 de la collaboration des, euh, des, des conseils juifs. Euh, en fait, cette question, elle va, être, elle va vraiment euh, euh, sortir de l'ombre de manière spectaculaire euh, avec euh, euh, le procès Eichmann, le livre d'Anna Arendt. Oui. En 1945, c'est pas Voilà, en 45, c'est trop tôt. Mais en tout cas, voilà, ils trouvent euh, y a des images très importantes et ils vont les monter dans un film qui, en fait, est pour eux le grand film et le plus important, même si ce n'est pas celui qu'on retient, euh, qui s'appelle de Nazi Plan. Il fait à peu près 4 heures, un peu moins de 4 heures, euh, et il est constitué près, des images prédiment. de Riefenstahl, des actualités euh, filmées, pardon, euh, et, et de, voilà, de, 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 de ces différentes euh, trouvailles. Euh, et, et les juristes en attendent beaucoup, mais il faut quand même préciser que c'est très nouveau de montrer des images filmées dans le cadre d'un prétoire. Et que tous les juristes américains ne sont pas euh, d'accord sur la fonction que vont jouer ces images. Euh, pour certains, notamment pour l'OSS, pour l'équipe de, euh, de Donovan et de son homologue qui s'appelle aussi James Donovan, qui euh, ils ne sont pas de la même famille, mais c'est son homologue et il est aussi à l'OSS et, et il va être chargé euh, de, de, de toute cette question des, des images preuves. Euh, pour lui, c'est vraiment des preuves d'un nouveau type et des preuves judiciaires au sens fort. Euh, pour d'autres, c'est plus, euh, euh, je dirais, une manière d'illustrer oui, de de, le dossier, de le synthétiser oui. de manière un peu, un peu forte. Pour d'autres, et notamment pour Jackson, et c'est assez intéressant parce qu'il l'évoque dans son discours d'ouverture du 21 novembre, euh, c'est presque une reconstitution au sens judiciaire. Il dit, vous allez voir euh, les, euh, les accusés euh, rejouer devant vous leur crime à l'écran. D'autant qu'il y a beaucoup d'images filmées par les nazis. Où on les voit et notamment <laughs> oui. euh, on, on, on voit pratiquement euh, Riefenstahl. Elle a, elle a filmé tous les tous les tous les anciens tous les leaders nazis et, et beaucoup sont assis dans le dans le box. Euh, et, et donc les et, et puis hein, pour, pour je dirais pour le pour d'autres hein, c'est vraiment un rôle dramaturgique. C'est une manière d'incarner justement euh, ce grand conte moral. Et ce qu'il faut quand même dire sur ce film, c'est que contrairement parfois à ce c'est que c'est un disons un relatif échec autant la projection de Nazi Concentration Camps a eu un impact considérable autant finalement de Nazi Plane euh, n'a pas l'effet attendu notamment parce que les accusés euh, voyant défiler les images de leur grandeur et de leur gloire passée, sont relativement satisfaits. Euh, et le seul moment se où, effectivement, <laughs> voilà, le seul moment où, effectivement, euh, Göring pavoise, euh, et, et il dit même à... Euh, les, le, le film est projeté en deux parties, et, et pendant, le, disons, l'entracte, euh, il dit au psychologue euh, Gilbert, euh, vous allez voir bientôt, euh, Jackson va demander ce, sa, sa carte d'adhésion au Parti nazi. Donc vraiment, il pavoise. Et la seule chose qui va quand même le chagriner fortement, c'est que le film se termine par euh, une brève sélection des images, euh, justement, du procès dont je vous ai parlé tout à l'heure, oui. du procès euh, des accusés du complot euh, du 20 juillet. Voilà. Donc ce film finalement n'a pas dans lequel les Américains ont investi beaucoup de force et beaucoup d'énergie, n'a pas l'effet attendu, alors même que leur leurs films sur les camps de concentration, euh, dont Donovan considérait que les images étaient déjà connues du public, ont eu un effet euh, dramaturgique absolument considérable, euh, accru par la décision hein, notamment d'éclairer euh, le banc euh, des accusés en installant une rampe de au spot moment à de leur la projection. Pied, au moment de la projection, pour qu'on puisse contempler leur visage. Donc voilà, on, on regardait leur visage pendant la projection. Ce qu'a fait la presse notamment de manière abondante. Et, et ça a été hein, finalement une sorte de, de punition collective infligée euh, avant l'heure euh, aux, aux, aux accusés euh, qui ont véritablement, hein, pour une partie d'entre eux, euh, flanché euh, euh, devant ces images. Euh, le, le seul qui s'en soit. Ostensiblement détourné, qui n'a pas voulu les regarder, c'est l'accusé Chartres, donc qui représentait la finance, les banques, qui est d'ailleurs l'un des l'un des acquittés des, euh, de procès. Nuremberg, mais qui a ostensiblement tourné le dos euh, aux images. Alors, ce qui est surprenant quand, quand on lit votre livre, c'est que il y, y a la mise en place de ce procès gigantesque, hors norme, avec tous les tous les moyens dont on, on va évidemment reparler. Et puis, en fait. Ce qu'on qu lit à plusieurs reprises, c'est que ce, ce procès est, assez, est, est très long. Euh, beaucoup de gens disent qu'il est ennuyeux, répétitif. Et, et que finalement, on filme assez peu. Et qu'il y a beaucoup de moments importants qui ne sont pas filmés. Donc, voilà. Alors, co comment, comment tout ça est possible, en fait euh, Pour quelles raisons Alors, c'est tout à fait vrai. Alors, si je commence, est-ce que je commence par. Euh L'ennui Oui, on peut, on peut parler de oui, so est parce que c'est une yeah. question so boring. Euh, c'est quelque chose d de, de tout à fait fondamental. Euh, en fait, je, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait des, des petites euh, dissensions entre Dova, Donovan et Jackson, mais il y en a une qui est absolument fondamentale, qui porte sur la stratégie d'accusation. Et euh, Donovan est assez cohérent dans ses choix, puisqu'il veut faire euh, deux... Nuremberg, un grand show médiatique, il considère qu'il faut incarner sur scène et faire porter le récit de la criminalité nazie par des témoins, en convoquant le plus de témoins possible. Alors, par témoins, il entend les victimes des nazis, mais également les témoins allemands qui, considèrent-ils, auront plus d'effets. Euh, sur le public allemand, notamment, euh, que euh, les accusations euh, des procureurs alliés. Et euh, donc, euh, il explique aussi à Jackson que ça permettra. Euh, d'attirer l'attention de la presse de manière beaucoup plus importante que la lecture monotone des documents d'archives. Et euh, Jackson va, va, va suivre Donovan jusqu'à l'été 45, et à partir de 45, je l'ai dit tout à l'heure, il va, euh, va converger vers euh, Nuremberg, euh, véritablement une masse considérable de documentation d'écrits euh, nazis à tel point que Jackson décide de changer de tactique et de construire l'accusation essentiellement sur la lecture des documents, pour toute une série de raisons, mais notamment parce qu'il estime que les documents écrits de la main des nazis seront beaucoup plus difficiles à attaquer que la parole des témoins et notamment des victimes. Euh, il pense aussi que ces documents euh, permettront à terme euh, d'écrire l'histoire et de servir la, la recherche ce qui fut d'ailleurs euh, le cas. et donc il va faire ce choix et donovan lui dit que c'est folie et que, euh, et que euh, ce sera un échec. Sortir. voilà euh, ce qui est d'une certaine manière le cas du point de vue de la presse en tout cas pendant toute la partie de l'accusation et notamment de l'accusation américaine. Si Jackson fait un, un magnifique discours d'ouverture le 21 novembre, très vite, euh, les euh, procureurs américains vont se relayer euh, à la tribune et lire sur un ton très monocorde des montagnes de documents, tournant en plus le dos au public et à la presse. Et très vite, la presse se lasse, s'ennuie et déserte le prétoire. Donc euh, ça, c'est un problème qu'on rencontre, disons, pendant toute la période de présentation de l'accusation. Euh, alors, vraiment particulièrement marqué du côté américain, il y aura uniquement sept témoins, ils et, et sont des Allemands et des Autrichiens. Il y a des grands moments de témoignage côté soviétique côté français. Euh, français avec notamment Marie-Claude Vaillant Couturier avec Francisco Boix enfin voilà et du côté soviétique hein, euh, souskéver et d'autres euh, le, le, le poète et d'autres témoins très importants euh, von Paulus notamment hein, le, le, le le maréchal Paulus euh, mais côté américain voilà le, le, la stratégie euh, de Jackson montre ses limites donc ça c'est pour le côté euh, ennui et puis un, un procès de toute façon c'est à un moment ou à un autre euh, ennuyeux euh, quand vous avez de longues expertises des, euh, des, des, des débats sur la traduction d'un mot des, et voilà. Donc, euh, mais disons que la, 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 la stratégie de Jackson rajoute un peu euh, à cet ennui et il faut dire que la presse de Nuremberg n'est pas une presse spécialisée dans une grande... Elle est majoritairement composée non pas de chroniqueurs judiciaires qui sont un peu au fait de, de la manière dont fonctionne un procès, mais beaucoup plus de correspond, euh, correspondants de guerre, notamment du côté des Américains, qui étaient encore sur place et euh, qui sont venus couvrir euh, le procès de Nuremberg, de grandes plumes de la littérature, mais qui ne voilà, sont pas véritablement des juristes et qui s'ennuient encore plus que euh, beaucoup de choses hein, leur, 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 leur paraissent ouais. un peu, euh, voilà, un, un peu fastidieuses euh, en termes juridiques. Alors pour ce qui concerne le filmage, il y a d'abord euh, des alors c'est un filmage sous contrainte, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. Les, les opérateurs ne peuvent pas se déplacer, contrairement à ce qu'ils ont fait dans, dans plein d'autres procès. Hein. Les, les soviétiques avaient l'habitude euh, de se camper au milieu du prétoire, de bouger, de braquer euh, leurs projecteurs, notamment sur les accusés, ce qui est une manière un peu de, de contrôler, euh, de, de, de prendre possession et du pouvoir sur leur, sur leur corps. Ils étaient déjà filmés comme des coupables. Hein. Euh, mais là, euh, ils sont très contraints. Par ailleurs, il y a un problème. Qui est un problème de lumière. En effet, euh, l'équipe le, le, de, de, de technique, a pensé que les néons qui avaient été installés, qui avaient remplacé les grands chandeliers de la salle 600, seraient suffisants pour filmer. Et en fait, après essai, il s'avère euh, qu'ils ne le sont pas. Et donc, il faut rajouter des projecteurs puissants euh, qui sont installés, et notamment dirigés hein, vers le box des accusés et euh, vers la cour. Et dès le premier jour euh, d'ouverture, la cour s'en plaint, notamment les Britanniques. Et les accusés aussi, d'ailleurs. Euh, si vous avez en tête les images euh, de, euh, du banc des accusés, euh, vous aurez remarqué que certains d'entre eux portent des lunettes noires. Alors, pour certains, c'est aussi parce qu'ils somnolaient. Euh, certains lisaient, hein, notamment S euh, lisait des euh, des romans. Euh, je crois que c'était des romans euh, policiers. Euh, mais euh, c'était aussi euh, pour se prémunir euh, de la la violence. Euh, des euh, projecteurs au moment où ils étaient filmés. Euh, et du côté de la Cour, euh, les, les, certains juges étaient indisposés par la chaleur, par la lumière. Et donc, euh, très vite, le juge euh, Geoffrey Lawrence, je vous rappelle que c'est un Britannique qui n'était déjà pas très favorable au filmage, va dire aux opérateurs, désormais, vous devez me demander l'autorisation avant d'ouvrir et d'allumer vos projecteurs. Et ça va lui donner une emprise absolument considérable sur le travail des opérateurs. Alors côté américain, euh, les, les opérateurs, euh, ils vont filmer vraiment tous les jours, euh, à, à part quelques, à la fin et à quelques moments euh, où ils seront pas là, mais enfin sur une base quotidienne, mais très peu et très peu, d'autant plus que euh, par exemple euh, le, le jour où Jackson euh, euh, prononce son, son, son grand euh, discours le 21 novembre, c'est quand même un moment majeur, y compris pour la propagande des États-Unis. Or, ils vont en filmer euh, que un, un petit quart d'heure euh, parce que le, 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 le juge Lawrence leur donne l'ordre d'arrêter les projecteurs. Et euh, lawrence va très souvent faire ça aux moments les plus intenses considérant que son prétoire n'est pas un plateau de cinéma et donc euh, les, les opérateurs vont rater des moments euh, voilà euh, très importants qu'on n'a pas euh, qui n'ont pas été filmés mais qui ont été enregistrés par contre euh, Au sur les, les bandes audio mais bandes audio qui ont été très très peu utilisées euh, par les historiens les, les films non plus hein, mais enfin qui, ils sont quand même une ressource absolument considérable donc ils filment peu par jour et pas toujours euh, les moments les plus euh, voilà, les, les, qui, sont, qui sont devenus des, 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 des moments clés, des, voilà, des, des symboles absolus de, 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 des débats et des audiences de, de Nuremberg. Et côté soviétique, j'ai envie de dire qu'ils vont beaucoup plus recentrer euh, leur travail autour de l'accusation soviétique, mais filmer avec beaucoup d'ingéniosité, contourner euh, de manière beaucoup plus habile les contraintes, euh, parce que les Américains, par ailleurs, ils font quelques erreurs, y compris dans les caméras qu'ils choisissent. Euh, par exemple, les, les, les Américains ont décidé, euh, à la différence de l'équipe de Ford, le Signal Corpse dit nous, on va faire un tournage objectif et neutre. Hein, on retrouve oui. ce débat aujourd'hui avec la loi Badinter. Euh, et ils disent euh, voilà, on va, on va, on va notamment. Euh, euh, utiliser la, la caméra de, qui est à côté de la presse hein, qui est donc en, en fond de salle ils vont l'utiliser pendant toute la partie de l'accusation américaine ça l'avantage effectivement de donner le point de vue d'un spectateur lambda qui serait là ici dans la salle et qui promènerait son regard euh, sur euh, sur la scène mais c'est un inconvénient majeur c'est que on voit et ils filment les procureurs de dos y compris euh, Jackson, leur procureur au moment de son, de son grand oui. discours d'ouverture. Ça, les soviétiques vont le comprendre très vite et eux, ils placent différemment euh, leurs caméras et ils les, ils, les, ils, les, ils, les, ils les placent notamment euh, dans le, le coin que j'ai montré tout à l'heure, ce qui leur permet euh, de filmer de le procureur en chef euh, Rudenko euh, de face. Et ça, ça fait, ça fait quand même pas mal de, de différence. Vous voyez, regardez Jackson ici. Hein, il n'est pas très flatté quand même. Là, on ne voit pas beaucoup. Dos. Et, euh, et vous Voyez à gauche euh, Rudenko qui est quand même euh, qui est quand même lui. Euh, Alors sur ce plan pardon, euh, juste oui, pardon, si on revient. Euh, y a, donc là celui-là. Oui. Plan d'origine, plan reconstitué. Donc oui. c'est important puisque effectivement les, les Russes, enfin les Soviétiques et les Américains le feront aussi, mais c'est eux qui commandent. N'hésite pas à reconstituer certaines scènes pour avoir des oui. images qui sont bonnes quoi. En effet. Alors vous voyez, ils ont des images qui sont bien meilleures, hein, parce qu'ils placent bien leur caméra. Ils ont, et ça, c'est le discours d'ouverture de Rudenko, donc en, en février 46. Euh, et, euh, et vraiment, euh, voilà, les, les, les soviétiques font des images euh, très fortes, très belles. Mais il y a des problèmes de son. Il y a des problèmes de son, enfin il n'y a pas que ça, hein. il y a que, vous voyez euh, parfois euh, à l'image il y a des gens qui bougent derrière, c'est moins net, mais enfin c'est quand même par rapport à ce qu'ont fait les Américains, il n'y a pas de commune mesure. Euh, mais il y a des problèmes de son qui sont liés notamment euh, à la traduction. À Nuremberg, c'est une traduction simultanée. Et euh, il faut bien voir que c'est... Euh, Véritablement un exploit parce que euh, Nuremberg, c'est vraiment l'acte de naissance de la traduction simultanée. Alors pourquoi Je vais peut-être en dire euh, oui, oui, un non, mot parce que c'est très important. Je vous, vous l'ai dit, le procès dure dix mois, ce qui est absolument considérable. Et d'ailleurs, là, là aussi, hein, quand les équipes arrivent, ils pensent qu'ils vont rentrer chez eux au bout de trois mois, puis 4, puis cinq, voilà. Un peu comme moi avec ma recherche. <laughs> et, euh, et voilà. Et les soviétiques, euh, pardon, les soviétiques, qu'est-ce que je disais euh, C'était pas les soviétiques. Bah, les soviétiques, la... les américains, les... Bon. Euh, oui, mais j'ai oublié ce que Vous je. Vous parliez dire. des interprètes, le fait. Ah oui, pardon, le, voilà, j'ai eu un petit blanc. Alors, donc, les, les interprètes, si on avait traduit, donc le procès est en quatre langues anglais, français, russe, allemand. si il euh, y avait eu une traduction euh, alternée, il durait quatre fois plus, 40 mois. C'était totalement inimaginable. Et Jackson a donc un peu contraint et forcé était euh, obligé de tester euh, ce, ce, ce procédé dont on lui parlait qui n'avait jamais été utilisé dans le cadre d'un procès, euh, qui était donc la traduction euh, simultanée, c'est-à-dire qui nécessitait donc des micros et euh, des euh, écouteurs. Euh, il n'avait pas été non plus utilisé même dans les grandes réunions internationales et grands congrès. On utilisait cette technique-là. Mais uniquement pour des textes qui avaient été traduits à l'avance. Donc là, euh, bah, c'était très compliqué, c'était une nuation incroyable, et vraiment c'est l'acte de naissance de la traduction euh, simultanée. Il y a eu plein de conséquences de ce choix, mais en tout cas, euh, ça a permis de gagner du temps, euh, et euh, ça a eu aussi pour effet que les, les orateurs étaient contraints de ralentir pour ne pas euh, perdre pour que les, 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 les interprètes ne perdent pas le fil. Ils étaient 12 par, par équipe, on les voit quelque part, je les avais mis, voilà, vous les voyez ici. Euh, il y en avait 12, il y avait trois équipes de 12 qui se relayaient. Et pour ne pas qu'ils soient complètement perdus, euh, avaient été installées des ampoules, notamment. Alors le président les rappelait alors, des orateurs, il y avait des ampoules, une, une orange qui clignotait, qui disait ralentissez. Et une rouge qui demandait à l'orateur de s'arrêter. Vous voyez les, les, voilà. Et donc euh, les premières ampoules étaient devant le, la table du président. Puis après, on en a mis devant le, les témoins. Et en fait, on en voit apparaître sur le pupitre. Oui. Euh, mais elles apparaissent euh, qu'à la fin février, probablement parce que les soviétiques parlaient très très vite et il fallait en permanence les couper. Et je vous signale, c'est une manière qui nous a permis de voir qu'il y avait aussi des reconstitutions, c'est que ça c'est la reconstitution du discours d'ouverture de Rodenko et comme vous pouvez le voir les ampoules n'étaient pas encore installées, c'est le jeu des sept euh, quoi, erreurs. <laughs> voilà. euh, et donc euh, je ferme cette parenthèse, mais elle est importante sur la, tra sur la traduction, euh, c'est que les, les euh, Romain Carmen a donc décidé de demander à ces procureurs de rejouer dans la salle vide euh, leur leur texte. Alors il n'y a pas tellement de changements euh, sur, sur, le sur le fond, mais en revanche ça leur permettait euh, d'être euh, d'abord de, de, de retrouver un débit de voix normal et d'être beaucoup plus à leur avantage parce qu'ils étaient filmés en légère contre-longée à la manière dont les soviétiques filmaient toujours leurs procureurs dans les films de procès soviétiques des années 20 ou des années 30. Et donc, les les, les, dans, dans le film qu'il a réalisé, euh, Carmen a choisi essentiellement des images reconstituées euh, qui met en relation avec les procureurs alliés qui sont très très mal filmés. Euh, et donc, il y a quand même déjà une. une, une voilà, une, une, une emprise sur le procès qui est prise grâce à ces euh, reconstitutions. Euh, il en a fait d'autres plus tard en, en studio. Les Américains, en effet, quelques-unes sans doute influencées par euh, les Soviétiques, parce que les, les, oui, les équipes finissaient quand même par, se, par, par échanger, euh, mais ne les ont jamais utilisées. Il faut dire qu'elles n'étaient pas très réussies. Alors, leur tourne et on va passer évidemment la, la parole aux salles. Euh, évidemment... On va terminer par une question sur le verdict. Enfin, on pourrait, il y aurait beaucoup de choses hein, encore à, à évoquer, mais euh, voilà, comment ce, ce verdict est, est, est accueilli euh, par rapport aux objectifs initiaux, notamment par euh, Jackson, et, et comment l'accueil est différent selon les pays, en fait Oui, oui en effet. Euh, alors, euh, il faut rappeler que il euh, y a eu... Au tout début du procès, euh, des spéculations hein, de, pour les soviétiques, il était bien évident que les 21, enfin les 22, disons si on compte Borman, 22 accusés seraient condamnés à mort ça faisait pas de doute et d'ailleurs Wyszynski, qui était le grand euh, le, le, le grand d'éminence grise puisque c'était le président des procès de, des procès de Moscou euh, a, a même le, levé son verre et porté un toast au début du procès à la grande, grand des, de ses, de, 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 des magistrats euh, anglo-américains à la mort des, des accusés donc les soviétiques tenaient à ce qu'il y ait 22 euh, condamnations euh, à mort euh, les français étaient sur cette, euh, sur cette même euh, longueur d'onde et les juges ont délibéré, euh, voilà, très euh, longuement. Et il y a eu des, des conflits importants sur le sort de certains accusés. Alors, j'ai pas, pas le temps euh, d'y revenir, mais enfin, le, le sort de charte hein, qui a été acquitté finalement, a oscillé. Certains, les soviétiques voulaient la mort, d'autres euh, emprisonnement à vie, et finalement, il est acquitté. Donc, il y a eu comme ça, euh, voilà, des, des, des je dirais des négociations, des compromis très complexes, euh, à l'issue desquels, euh, eh bien, il y a des condamnations à mort, je crois que c'est 11 ou 12, oui. je ne sais plus, euh, des peines de prison euh, plus ou moins longues. Euh, par exemple, J'père hein, euh, est condamné, je crois, à 12 ans. Euh, il a été très habile pendant son procès, alors qu'il était le responsable hiérarchique de Saokel, qui lui est pendu. Euh, donc euh, voilà, on peut discuter un peu des choix qui ont été faits, et en tout cas il y a trois acquittements et quelques peines un peu, un peu, un peu plus euh, légères, euh, et euh, les soviétiques euh, sont euh, protestent, et d'ailleurs le, 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 le juge soviétique Nikitchenko va, va faire lire. À, à l'issue du procès par le président Lawrence, euh, sont des accords sur euh, les acquittements d'une part, et aussi sur le fait que Rudolf Hess n'est pas euh, pas été condamné à mort essentiellement hein, parce que euh, il a été considéré euh, comme mentalement euh, euh, affaibli par euh, les psychiatres et psychologues qui l'avaient euh, examiné. Mais euh, voilà, ils expriment leur désaccord dans les journaux soviétiques. Euh, on, on considère aussi que c'est un affront. Euh, mais néanmoins, les Soviétiques ne sont pas allés trop loin dans, le, dans la, la contestation euh, du, du verdict. Et puis, ils ont finalement... Euh reconstruit un récit, hein, notamment, euh, oui. notamment le, le film de Carmen, qui reconstruit le procès soviétique comme il aurait dû être finalement, comme le, euh, Moscou oui. voulait qu'il soit. Euh, les Français, il y a eu beaucoup de réactions. Euh, alors, le gouvernement essaye de ne pas trop euh, intervenir, euh, euh, mais euh, les associations d'anciens déportés, notamment euh, les associations de résistants, euh, montent au créneau, euh, notamment les, les, les communistes, pour là encore critiquer euh, le verdict. Euh, en Grande-Bretagne, euh, c'est plutôt mesuré. Euh, et il est intéressant d'évoquer quand même euh, l'accueil du verdict aux États-Unis, parce que les États-Unis sont très divisés. Il y a ceux qui sont horrifiés euh, qu'on ait condamné tous ces gens à mort, et notamment les militaires, euh, Keitel et, et Yodel. Euh, D'autres qui protestent contre les acquittements, voilà, c'est beaucoup plus, euh, c'est beaucoup moins tranché euh, aux États-Unis où l'opinion est relativement divisée. Et puis il y a aussi le fait que les, les photographies des suppliciés euh, euh, ont, ont un peu fuité dans la presse et que euh, les seuils de sensibilité sont pas exactement les mêmes dans les pays anglo-saxons que dans les pays soviétiques, euh, que euh, en URSS notamment. Voilà. Alors on développera pas, mais voilà. vous insistez. Quand même, sur à la fin de votre livre, qu'en fait, on rentre dans une autre époque, c'est-à-dire c'est le début de la guerre froide, et en fait, voilà, les, 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 les alliés ne sont plus les mêmes au moment où le, où le process termine, en fait, enfin oui. un peu après. C est, c est, on est sur un point de bascule. Ça, c'est fait... fondamental. Disons que ça commence en, en mars avec le discours de Fulton où, où, où Churchill annonce qu'un rideau de fer tombe sur l'Europe. Et là, la défense va s'en saisir. Les accusés vont s'en saisir en essayant, eh bien d'entrer un coin euh, dans les équipes d'accusation et d'isoler les Soviétiques. Ils y arrivent assez bien parce qu'ils arrivent à sortir le pacte germano-soviétique, les, les, les accords secrets notamment. Voilà. Et pour les Soviétiques, ça commence à aller relativement mal. Euh, mais au, au, au fil du procès, voilà, euh, on est vraiment entrer dans, dans, en guerre froide et à partir de 1946, puis du blocus de Berlin, euh, Nuremberg va être revisité euh, à la lumière euh, d'une toute autre politique, notamment américaine, vis-à-vis -vis, euh, de, euh, de l'Allemagne. Hein, la dénazification n'est plus à l'ordre du jour euh, et, et évidemment le nouvel ennemi, euh, le nouveau danger, euh, c'est les communismes. Alors, deux questions des, des autres salles et on va pouvoir passer aussi la. la... Le micro dans la, dans la salle. Euh, alors, première question, comment furent sélectionnés les accusés On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais peut-être vous pouvez préciser. Et bonjour, j'aimerais savoir si la diffusion des images preuves et des réactions a été filmée. Oui, alors, pour, euh, pour les accusés, euh, j'en ai, ai parlé, hein. il, y a eu, il y a eu des tractations. Euh, euh, aussi euh, assez complexe entre euh, les alliés. Il faut quand même préciser que l'essentiel des accusés était dans les geôles américaines et que les soviétiques euh, avaient, euh, avaient euh, très très peu... n'avaient voilà, pas les, les, les grandes ouais. figures du, du nazisme. Et ça a quand même joué dans les négociations complexes, notamment sur... Euh, sur le, le statut juridique du futur tribunal. C'était une carte euh, ouais. importante pour les Américains parce qu'ils avaient quand même réussi à récupérer l'essentiel. Les Soviétiques avaient friche, qui n'était quand même pas euh, fondamental, qui a été acquitté, d'où d'ailleurs leur fureur. Euh, et il y a eu des discussions, bah, notamment sur. Euh, vous, vous, vous voyez, vous avez le représentant des militaires, le représentant. Alors, de, 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 la, de la police, il n'y en a pas tellement il y a Calton Brunner. Euh, mais les militaires sont, sont quand même trois euh, dans, dans le box, de, tout, des, des proches de nazis, et tous les, les grands survivants du régime, euh, ceux qui ne sont pas morts ou ont disparu. Il euh, y a le philosophe Rosenberg. Bon, voilà, il y a des discussions sur. Quel... Bon, et les discussions se font notamment sur les représentants du grand capital, euh, les banquiers, les industriels. Je vous ai dit que les soviétiques et les français tenaient beaucoup à Krupp, mais que. Par erreur, il disparaît. Ouais. Euh, et il reste donc charte qui, euh, qui a été le, 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 le banquier de, de Hitler à ses débuts, qui a vraiment financé euh, les débuts du parti nazi, qui a été ministre, euh, euh, qui a présidé la Reichsbank euh, et ministre des Finances, mais qui finalement, euh, peu à peu, s'est. Voilà, a pris ses distances vis-à-vis -vis de le régime nazi, donc c'était pas nécessairement Enfin, c'est celui sur lequel sont focalisés les, 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 les soviétiques et les français qui attendaient euh, sa condamnation, et, et d'où leur fureur. Euh, mais, euh, mais finalement, il a fallu organiser d'autres procès après, le procès des industriels, ce qu'on appelle mmh. les, les procès successeurs, mais qui n'ont été organisés que par les Américains que par la justice militaire américaine. Alors sur le deuxième point, le deuxième point... Euh, le le deuxième assez. point, c'est ce, est-ce que euh, ah oui, la, la réaction aux images-preuves oui. a été Alors, filmée En, en fait, euh, euh, les, les opérateurs pour la première projection, celle de Nazi Concentration Camp, c'est donc le 29 novembre 1945, euh, c'est très tôt dans le procès, euh, ils ont essayé. Mais en fait, ils n'ont pas réussi euh, parce qu'il n'y avait pas assez de lumière. Et donc, au tout début, on voit, euh, on voit vaguement de, de, de petites taches blanches tout au fond de la, de la, de la salle. Et puis, ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas le faire. Euh, les, quand vous voyez des... Il y a des films qui le font euh, des... Euh, les, les, les réactions des accusés pendant la projection, et c'est ce qu'ont fait les actualités dès l'époque, c'est qu'ils ont pris des, des, des plans de coupe euh, des accusés, et puis ils les ont montés en incrustant souvent le film euh, voilà. sur, sur l'écran. Donc ce sont des séquences qui ont été... Euh, Remise en scène, voilà, voilà. dirons-nous, hein. parce qu'il n'y avait pas du tout assez de lumière pour le faire. Mais ils ont essayé. On a quelques, on, on a quelques moments où on voit un tout, un tout début hein, de la séquence. On voit quelqu'un qui sort un mouchoir. On ne sait pas si c'est pour se moucher ou pour bon. Mais c'est et puis très vite ils abandonnent. Vous expliquez à la fin justement que les actualités, enfin le film français est, est en fait basé que là-dessus, c'est-à-dire des remontages. Constamment. Com complet. Euh, Constamment. On a l'impression que aussi. le visage qu'on voit <laughs> correspond à, ouais. à, à ce qui vient d'être dit et en fait pas, pas du, du tout, tout. ça n'a pas été pris le même jour, etc. Ça arrive euh, aussi dans le film américain en fait. Oui, oui, oui bien, donc, bien faute sûr. Faute d'image, ils ont beaucoup. Euh, aimé, mais le problème c'est qu'après les cinéastes ont repioché là-dedans pensant que certaines parties oui. étaient filmées et voilà, l'erreur a, a fait tache d'huile. Mais C'est important de savoir donc qu'en fait les réactions des accusés n'ont pas été filmés au moment où ces images ont été projetées. Est-ce qu'il y a une question dans la salle Alors, je... non. Oui, une devant. Bonsoir. Bonsoir. Euh, quel est votre point de vue sur l'utilisation de ces images dans les documentaires qui ont suivi dans les décennies suivantes, par exemple de Nuremberg à Nuremberg Est-ce qu'il y a une manipulation Est-ce qu'il y a des choses qui sont une transformation du sens euh en fonction des époques où ça a été reconstitué à travers des documentaires, oui, c'est une question intéressante et très vaste. Euh, disons en tout cas que alors on peut parfois parler de manipulation quand très volontairement euh, des, des cinéastes vont aller chercher et on ne cherche pas la même chose dans Nuremberg euh, en 46 et aujourd'hui. Hein, par exemple, la question du génocide, des crimes contre l'humanité va être surexposée dans les films. Mais aussi dans les fictions sur Nuremberg à partir des, des années 80, mais ça commence déjà dans le sillage du, du procès Eichmann. Donc, il y a oui, on pourrait refaire toute l'histoire de ce qu'on voit dans Nuremberg. Au moment de la guerre froide, on refait des films où les soviétiques sont absents. Enfin, voilà. Euh, donc, on, on pourrait. En... Alors, si je me concentre sur la question des images, je vous l'ai dit, il y a des images qui manquent, qui font défaut. Pour rendre compte de moments clés euh, du, du procès et dès 1946, il euh, euh, y a eu cette, cette, euh, cette pratique qui consistait en effet à, euh, à sortir de leur contexte des images et notamment des plans de couple et à utiliser euh, pour des parties manquantes euh, la bande euh, audio. Et euh, donc, euh, je dirais les premiers cinéastes qui ont fait des documentaires dans les années 50-60, je pense, ont, été, euh, ont pas regardé les rushs. c'est-à-dire qu'ils ont par parti des films existants et du coup, ils ont reproduit euh, ces, ces décontextualisations d'images. Euh, plus tard, euh, alors en plus, on ne connaissait pas les images soviétiques, donc il y avait d'un côté exploitation des images soviétiques, de l'autre côté les images américaines, puis ensuite des confusions entre les uns et les autres. Euh, donc euh, je dirais qu'aujourd'hui, il faut être beaucoup plus rigoureux parce que le, le, le travail a été fait, le travail est fait. Et, et, et par exemple, il y a très souvent, on voit l'énoncé des, des sentences des accusés et on voit leur visage. Euh, alors, ça n'a pas été filmé à la demande du président britannique, mais dans tous les films, euh, vous allez voir cette séance avec la voix du juge Lawrence qui annonce Death by Hanging, la, la mort par pendaison, et, euh, et les, 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 les visages des accusés sont souvent celle du, du moment où ils ont fait une déclaration depuis leur, leur box, euh, ou parfois même quand ils sont euh, au banc des témoins, euh, alors qu'ils sont rentrés un par un euh, pour euh, écouter leur sentence et qu'il n'y avait pas de public, pas de photographe et pas d'opérateur. Donc vous voyez, on pourrait faire toute l'histoire à la fois de la décontextualisation des images, mais de la manière dont on va chercher des images euh, en fonction d'une nouvelle. d'un intérêt. Qui n'est pas celui du public des années, enfin voilà, de 45-46, et par ailleurs qui a tendance un peu à surexposer le rôle qu'a eu le génocide et le crime contre l'humanité, puisque finalement c'est aujourd'hui pour nous le grand héritage de Nuremberg, mais à l'époque c'était pas tout à fait envisagé comme ça. Bon, en tout cas, c'est alors je suis désolé, mais alors j'ai une dernière question, euh, mais c'est vrai qu'on touche là vraiment un point important par rapport. Euh... Au documentaire en particulier, hein, c'est-à-dire effectivement le remontage euh, avec quelquefois un détournement, en fait, hein, bien sûr, du, du sens initial des images. Ou en tout cas, si on ne rappelle pas le contexte dans lequel elles ont été tournées, euh, le, leur sens est, est différent. Alors, une dernière question qui, qui pourrait nous emmener loin, mais quand même, je, je la donne. Hein, je passe sur certaines questions parce que je ne peux pas tout dire. Le procès actuel des attentats du 13 novembre est-il, selon vous... Dans la filiation mémorielle de Nuremberg. Voilà, vous avez deux minutes. <laughs> à vos stylos. Euh, ouais, c'est une question euh, très intéressante. En deux minutes, il euh, y a une filiation en ce sens que euh, le procès des attentats du 13 novembre déborde des enjeux strictement judiciaires. Et ça, c'est très important. Mais ça se fait de manière très différente. Euh, si je prends l'exemple de, des phases du procès auxquelles vous avez pu le euh, enfin lire, en tout cas sur, euh, sur ce qui se passe, pendant six, cinq semaines, on a entendu les témoignages des partis civils. Euh, et euh, ce, 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 ce respect euh, religieux dans lequel on a accueilli leurs paroles n'a strictement rien à voir avec ce qui se passait à Nuremberg, où souvent les témoins étaient, euh, étaient malmenés. Hein euh, et pour poursuivre sur ce que je disais sur les enjeux extrajudiciaires, ce procès euh, prend en charge toute une série euh, de missions qui sont qui aussi une mission euh, euh, presque thérapeutique, presque cathartique, portée par une... Hein, l'idée de reconstruire une communauté nationale, autant de choses qu'on peut retrouver d'une autre manière à Nuremberg, mais avec évidemment plein de différences qui sont liées notamment à la personnalité. Euh, des, des, des accusés. On avait ici hein, les grands survivants, hein, de, comme disait le, le juge britannique, des forces du mal, euh, qui étaient vraiment les, 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 les responsables en chef, hein, euh, en tout cas par, parmi les, les survivants. Là, c'est un peu différent. On n'avait évidemment pas de partie civile dans un procès comme celui-ci, mais en tout cas, ce qu'il faut retenir, et le filmage en est un peu le. Le, je dirais la métaphore, c'est que oui, euh, ce procès fait partie de ces grands procès euh, dont les enjeux euh, et, les, et les attentes de la communauté nationale débordent la question du sort, du strict sort individuel des accusés et ont du coup un impact médiatique euh, considérable. Merci beaucoup. Oui, oui. Merci beaucoup, Sylvie de Merci à vous. Merci euh, aux spectateurs <laughs> des autres, des nombreuses autres salles. Et merci aux autres salles, tout à fait.